Cet épisode commence avec Gaviota et sa mère, qui sont en train de récolter du café, et elle est en train de chanter comme un oiseau. Gaviota se retourne et voit des hommes armés, qui sont en train d'attendre Octavio, qui est le propriétaire des terres, pour l'assassiner. Elle court relâcher des vaches sur la route, pour que ce dernier s'arrête. Il le fait, et elle lui dit qu'il y a des hommes lourdement armés, qui sont en train de l'attendre. Il se met à tirer à travers les vaches, et celui-ci s'enfuit, en faisant la marche arrière, avec sa voiture. De sa part, Gaviota se cache, pour que les bandits ne la voient pas. Plus tard, on voit Octavio en train de donner des terres à Gaviota, et à sa mère, car il est en vie grâce à elle. Gaviota et sa mère ne veulent pas les terres de cette façon, et disent qu'elle aimerait lui donner de l'argent en compensation, et ce dernier refuse de le prendre. Gaviota et sa mère insistent, et celui-ci finit par accepter. Ensuite, il leur souhaite bienvenue dans le monde du café. De l'autre côté, la copine de Sébastien vient le voir, et lui dit qu'elle aimerait lui parler. Celle-ci fait ensuite une crise de jalousie, car ils ne se sont pas vus depuis quelques jours. Sébastien dit qu'il est désolé, mais il est vraiment occupé. Elle dit qu'elle le sait, et dit qu'elle est également occupée, mais qu'ils doivent faire de l'effort. Elle dit qu'elle va acheter des places pour le théâtre cette semaine, et dit qu'ils vont s'y rendre. Sébastien hésite, et ne veut pas y aller. De son côté, Gaviota est en train de consommer une glace avec sa mère, et sont contentes, car elles viennent d'acquérir un hectare de terre. Lucia demande à Sébastien ce qui ne va pas, et dit qu'elle constate que ce dernier ne veut plus la voir, et demande ce qu'elle a fait. Il dit qu'il est juste pris par le travail, et elle lui dit qu'elle en a marre, dit que leur relation est terminée, et s'en va. De son côté, Pablo Emilio est au lit avec une fille, son père Octavio l'appelle, et lui demande où il se trouve. Il dit qu'il est là au village, et dit qu'il arrive tout de suite. Pendant ce temps, Gaviota et sa mère sont en route pour Casablanca, et sont très contentes. Un homme essaie de la ploter les fesses, elle le frappe, et s'en va en voiture. Une fois devant son père, Octavio dit à son fils qu'il y a un détournement de fonds de 100 000 $ de café, et aimerait savoir ce qui se passe. Il dit qu'il fait des trafics personnels à Bogota, et Octavio lui dit que c'est pas assez, et lui demande de lui dire la vérité, sinon ce dernier va perdre son travail. Pablo lui dit qu'il cherche des prétextes pour mettre son fils préféré à la tête de l'entreprise, et dit qu'il reste tout de même le directeur financier. Il dit ensuite qu'il fait également des affaires avec Carlos Mario, le fils de Don Pedro, et son père lui dit qu'il ne devrait pas, car cet homme est aussi mauvais que son père. De son côté, Gaviota est perché sur la voiture, et est en train de chanter. De son côté, Octavio découvre ensuite que son fils fait du blanchiment d'argent, et dit à son fils qu'il devrait faire de la prison. Pendant ce temps, les deux femmes arrivent à Casablanca, et elles sont bien accueillies. De son côté, Octavio demande à son fils comment il a pu faire cela, et dit qu'il est tombé bien bas. Il dit à son fils qu'il est une honte pour la famille, et finit par lui dire qu'il a cédé un hectare de terre à Gaviota, et à sa mère, car celle-ci l'a sauvé la vie. Pablo se fâche, et se met en colère. En pleine discussion, celui-ci s'écroule, et attrape le pied de son fils, qui s'empresse de l'enlever, et le pousse au sol. Une servante qui a assisté à la scène, va en courant l'annoncer au reste de la famille, et Pablo l'ayant vu, demande à présent qu'ils appellent une ambulance. Dehors, l'ambulance arrive, et tout le monde est inquiet. On demande à Pablo ce qu'il s'est passé, et ce dernier dit qu'il ne comprend pas non plus et dit qu'il était juste en train de discuter, et celui-ci s'est écroulé. Les ambulanciers font le constat, et disent qu'Octavio est mort. Tout le monde est triste, et se met à pleurer. En dehors du village, Sébastien reçoit un appel, et on lui dit que son père vient de mourir, et il est dans tous ses états. De son côté, Aurelio vient voir Gaviota et sa mère, et les apprennent que le patron vient de mourir, celles-ci sont tristes, et se mettent également à pleurer. En soirée, Gaviota est avec sa mère, et celles-ci sont en train de discuter disant que la vie peut être très fugace, et sa mère lui raconte une histoire sur leur terre. De son côté, Pablo Emilio fait semblant d'être triste de la mort de son père, et se rappelle de ce qui vient de se passer.
Puis, remarque que ce dernier a laissé 7 millions de pesos sur la table pour qu'il puisse arranger tout le désordre qu'il a commis. Il ramasse l'argent et le met dans sa poche. Le lendemain, Sébastien arrive et salue Aurelio. Gaviota et sa mère est en train d'assister à la scène et Gaviota lui demande de qui il s'agit. Sa mère lui dit qu'il s'agit sûrement de son autre fils et dit que ce dernier vit à l'étranger. Gaviota dit que c'est bien que ce dernier ait décidé de venir pour la mort de son père. Puis, elle se met à le regarder avec des yeux d'amour et sa mère lui demande de ne pas trop rêver et dit que les histoires d'amour entre riches et pauvres n'est possible que dans les films. De sa part, Sébastien se tourne, la regarde longuement et s'en va. Une fois à l'intérieur de la maison, Sébastien salue en premier son frère, ensuite sa sœur, et prend sa mère dans ses bras, et celle-ci est inconsolable. Peu de temps après, ils sont tous à l'enterrement d'Octavio. À l'église, Emilio fait un discours, il raconte à tout le monde comment le monde du café a perdu un gros poisson, un homme très important. Puis c'est le tour de Gaviota, qui fait son discours et raconte à tout le monde comment était Monsieur Octavio. Elle parle de ses œuvres et dit qu'il avait bon cœur. Une fois terminé, Sébastien la regarde et tombe sur son charme. Plus tard en famille, Ivan demande à Sébastien où se trouve Lucia. Sébastien lui dit que tout est passé très vite et dit qu'il n'a pas eu le temps de la prévenir et celle-ci comprend alors qu'ils se sont séparés une fois de plus. Alors, Gaviota se met à chanter et la mère de Sébastien dit qu'elle n'est pas d'humeur à écouter chanter. Sébastien dit qu'il s'en occupe et s'en va à sa rencontre. Une fois sur place, celui-ci fait semblant de tomber. Il se lève, s'excuse et se met à rigoler à son tour. Sébastien la remercie pour le beau discours qu'elle a fait à l'endroit de son père et dit que cela était vraiment émouvant. Puis, il lui dit que sa mère a un peu du mal avec du bruit et lui demande si elle peut chanter moins fort. Gaviota dit qu'elle a compris et il se met à rigoler à nouveau et passe un bon moment ensemble. De son côté, la sœur de Sébastien appelle Lucia et lui dit qu'elle doit venir le plus vite possible car la famille a vraiment besoin d'elle. Puis, Lucia se met à discuter avec son père qui lui fait comprendre que le temps presse. Il dit qu'elle devrait se marier le plus vite possible avec Sébastien, car leur entreprise est en faillite, et il risque d'aller en prison. De l'autre côté, Sébastien aide Gaviota à récolter du café, et ils se mettent à discuter par rapport à leur enfance et à leur vie. Alors, Sébastien lui dit qu'il doit partir, bien qu'il n'a pas envie, et lui dit que cela fut un plaisir de l'avoir rencontré. En soirée, Sébastien discute avec son frère, et le fait comprendre qu'il ambitionne de venir travailler au village avec lui. Pablo lui dit que cela n'est pas la peine, et il s'en va. En chemin, il rencontre Gaviota, et essaie d'abuser d'elle. Sébastien vient la sauver, il se met à frapper son propre frère. Il s'en va avec Gaviota, et décide de l'accompagner. Une fois sur place, celle-ci le remercie, et Sébastien lui dit que ce que son frère a fait était mauvais, et dit qu'il est désolé. Gaviota dit qu'elle ne veut pas entrer, parce qu'elle n'aimerait pas réveiller sa mère, et Sébastien dit qu'il avait imaginé tout, sauf de se battre avec son frère. Ils vont dans un bar, et commandent du vin. Sébastien continue à s'excuser, et Gaviota lui fait comprendre que cela n'est pas la peine. Après, la serveuse demande à Gaviota de venir chanter pour les consommateurs, elle va au concept, et dédie sa première chanson en mémoire d'Octavio, une seconde intitulée « Mal d'amour » à Sébastien. Le public est charmé et applaudit grandement. Ensuite elle rejoint Sébastien, qui la remercie. Celui-ci décide de la ramener à la maison, il lui donne son manteau pour sortir de la voiture, car il fait froid. Ils se mettent à s'embrasser, et c'est sur cela que finit le premier épisode de la série.